Bonjour à tous. Inlay, onlay ou overlay sont des termes qu'on entend de plus en plus. Je pense donc qu'il est important de vous expliquer ce que c'est. Peu importe le terme employé, inlay, onlay ou overlay sont des restaurations prothétiques. Ce sont des pièces fabriquées sur mesure pour réparer des dents abîmées. Et ce sont des pièces qui sont réalisées chez le chirurgien dentiste, soit par l'intermédiaire d'un prothésiste, soit par l'intermédiaire d'une usineuse si le cabinet est équipé pour prendre des empreintes numériques. On peut donc réaliser ces restaurations en une ou deux séances, selon les cas. Les inlays sont généralement en céramique, mais on peut également en trouver en résine composite cuite, et on peut aussi en voir en métal précieux avec de l'or dedans, mais techniquement ce sont des choses qu'on ne voit plus trop. Le fait qu'on parle d'inlay, d'onlay ou d'overlay, ça dépend juste en fait de la taille de la restauration qu'il y a à faire. En gros, schématiquement, inlay c'est pour une petite restauration, onlay c'est moyen et overlay c'est grand. C'est aujourd'hui la principale alternative qu'on a aux couronnes prothétiques et aux soins conservateurs classiques puisque c'est une technique qui présente beaucoup d'avantages. À la différence d'une couronne prothétique qui recouvre l'intégralité de la partie visible de votre dent et qui par conséquent nécessite une préparation assez délabrante, l'inlay, lui, il va juste s'adapter au trou que présente votre dent. C'est donc une restauration conservatrice qui permet de garder les parties de votre dent qui vont bien. Par contre, rien ne garantit que vous n'aurez jamais besoin d'une couronne ou d'un implant, mais le fait de mettre un inlay, ça va repousser, voire éviter ce moment. Et attention aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de couronne du tout, il y a quand même des cas où des fois on en a encore besoin. Les inlays sont des restaurations qui sont collées, donc par définition, ce sont des restaurations qui tiennent tout aussi bien, voire mieux, que des couronnes. En tout cas, ça tient mieux qu'un soin qui est fait en résine composite classique, et c'est plus joli. À titre d'information complémentaire, il existe aussi des overlays spéciaux qu'on appelle des tabletops. Ce sont des overlays qui sont très très fins et qui permettent de rehausser la hauteur des dents, notamment dans le cas de traitements assez complexes. Après, c'est comme pour tout, pour que ça tienne, faut en prendre soin. Se brosser les dents est déjà une règle d'or pour les dents de base, mais elle l'est encore plus pour des dents qui ont déjà été fragilisées, même si elles sont réparées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne quelque part par ici et à regarder mes anciennes vidéos quelque part par là. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt !